Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser OpenSankore pour aider les élèves à résoudre le problème des totems dans le RallyMath. Donc si on lit cet énoncé, on s'aperçoit que pour chaque totem, on a une disposition. Exemple, Christelle dit « le rond est en dessous du carré ». Revenons à la page précédente. Donc le rond est en dessous du carré. Donc on a un rond en dessous du carré, comme ceci. Si on a besoin de plusieurs formes, eh bien il va falloir les dupliquer. Par exemple, j'ai besoin de cette forme-là, je vais la dupliquer comme ceci pour en avoir d'autres. Tout simplement. Je la déplace, je la mets ici. Donc si j'ai besoin d'une forme, il vaut mieux la dupliquer en premier, comme ceci, et ensuite, voilà, on positionne ces formes. Donc ce cercle, hein, je vais le dupliquer et le remettre ici. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, quand on a une proposition, eh bien, il suffit, par exemple, de prendre la capture d'écran pour enregistrer la proposition des élèves et la retenir en la mettant, par exemple, sur une nouvelle page. Donc on va mettre comme ceci, et nous allons écrire par exemple les solutions. Voilà, comme ceci. Voilà, tout simplement. À bientôt pour un autre tuto.